Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une vidéo de Forge Magie. Alors, je me tourne ça juste après avoir passé le PM sur mon arc corrompu. J'espère que vous avez vu la vidéo que j'ai sortie. Hein, où, voilà, la vidéo, c'est juste une tenta PM sur un arc corrompu perf pourcent res. Et le PM passe, enfin, c'est assez incroyable. Du coup, j'ai cut la vidéo de FM juste là-dessus. Mais j'avais d'autres choses à faire en FM, donc là, je vous refais une autre vidéo. J'espère que la chance va être encore avec moi. Et là, je vous avouerai que ça m'a bien motivé pour la Forge Magie. Et avec quoi on va commencer? Devinez, oh, un arc corrompu, presque perf, pour sans feu cette fois-ci. Donc on a un truc très similaire à ce qui s'est passé juste avant. Le G est un tout petit peu moins bon parce que là il y a deux dintels en moins et un de vitan en moins. Je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir sur ma chaîne, chercher une petite vidéo de FM qui dure 3 minutes, ça vaut le coup d'être regardé. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire il y a quelques heures, c'est passé, donc on va retenter, je pense. Bon, ce serait quand même étonnamment de la chance que ça passe à nouveau, mais il faut tenter des choses dans la vie. Donc on est parti, allez. Est-ce que j'ai un deuxième arc corrompu PM? Eh, j'y croyais presque au fond de moi, hein, j'y croyais presque. Allez, c'est pas grave, ça sera pour ce début de vidéo, très bien. Alors on enchaîne avec un Anotic. Anotic qui est un jet plutôt sympathique. Alors il n'y a pas les dommages air, il n'y a pas les dommages eau, mais là c'est un jet pour du mono-élément feu. Et vous voyez quand même, les lignes là sont très belles, hein. Il manque vraiment que ça. Il y a un petit over réécrit, il y a un PM avec, oui, peut-être que je montre ça, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc là, c'est un exo PM, mais il n'y a pas le PO. Donc en fait, quand j'ai fait cet exo, j'avais vraiment besoin d'avoir ça pour tester un stuff. J'ai un peu perdu patience, j'en avais besoin rapidement, j'avais pas beaucoup de kama à mettre, j'avais pas spécialement besoin de la porter, donc j'ai fait des tentas sans PO tout simplement. À chaque fois que le PO tombait, j'ai remonté le G, je faisais un petit over réécrit, je chantais le PM. Donc pas de portée. Sauf que maintenant, bon, ça m'embête quand même d'avoir ça qui traîne dans mes items. Le petit manque de PO fait tâche. Alors je pense que je vais le tenter. Je vais le tenter. Et si des fois ça passe pas et ça casse le PM, je verrai pour continuer l'over-recry et peut-être tenter un PM après ou je ne sais quoi. On verra ce qui se passe. Mais si le PO passe, je le laisserai comme ça me fera quand même un beau jet d'un exo PM un petit peu over-recry sur quelque chose de propre pour du mono-élément et tant pis pour les dommages annexes. Allez, c'est parti, on y croit. Ah, je m'attendais pas à ça, tiens. Je m'attendais pas à ça, mais c'est intéressant. Bah, du coup, ça va certainement partir en brisage PM. Alors, 3 sagesse, ça me fait 3. Plus 30, moins... Merde. Moins 0, plus 6. Pour les 2 PP, les 13 réécrits. Ah oui, je suis en négatif, donc c'est plus 13. Moins 51, d'accord. J'ai donc un depuis là-dessus. C'est un petit peu frustrant ça. Alors, deux crits, le crit qui fait plaisir, le deuxième qui ne m'enlève pas depuis, le troisième qui passe, qui me fait un plus 2. Hop! Alors, il va falloir remonter les res. J'aimerais bien que le PM tombe en fait là, ce stade du FM. Là, j'ai moins 1. Là, je m'en fous. Là, j'ai quoi? Oh. 19, ça me fait du 3,8 plus 3 moins 6 2,8 depuis. Je vais peut-être remettre le petit de feu là. Ok. Alors, plus 0,4 plus 2 moins 5. Hop, 0,2 depuis. Hein. Donc là, je compte quand même les décimales. Hein. C'est très important quand on est sur ce genre de FM. Ça ne peut nous faire gagner une petite tenta à la fin ou un depuis ou ce genre de choses. Qu'est-ce que je vais remonter là? Il faudrait peut-être que je m'occupe alors du tacle ou que je tente les réécrits. Ou alors je garde les réécrits pour quand le PM va tomber. Ça peut être un plan de faire ça. Ça peut être un plan. Allez, tacle. Ok, alors là, je gagne du puits sur la prospection. C'est très très bien ça. Si je peux un petit peu taper la PP et récupérer du puits comme ça. Moi, ça me va complètement. La vie. Bah, il faut que je remonte la vitalité de toute façon. Hein, je n'ai pas le choix. Ok. La prospection, je m'en fous. Là, je perds moins 2. Il me reste 0,2 depuis. Moi, je pense pas qu'ils me serviront. Hein. Là, on est vraiment sur de la fraction. Mais sait-on jamais que la vitalité fasse un petit peu encore des petites poussières depuis, bah, ça pourra me permettre de retomber sur mes pattes. Alors. Moins 3, plus 1. Plus 6. Ah, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Ah, décidément, il a l'air bien accroché ce PM. Hein. Il a l'air bien accroché. Je prends aussi le temps de compter le puits, comme ça, pour ceux qui veulent un petit peu apprendre. Beaucoup m'ont dit qu'ils aimaient apprendre la Forge Magie à travers mes vidéos. Et ben, comme ça, ils voient un petit peu comment on peut faire. Donc là, je retombe à 0,2 de puits. Ah, le 29 époux va être chiant, parce que si ça tombe là-dessus,
C'est vrai que si le PA me casse là-dessus, là j'ai quoi? J'ai plus 1. Ça va être chaud de le remonter à plus 30. Là j'ai quoi? J'ai plus 3. Hop. Ok, moins 3. Allez, les raies remontent. Pas de modification sur le puits. Ok, la sagesse va repasser à 30. Et le PM tombe, c'est pas mal. Ça aurait pu se passer bien moins bien que ça. Donc, plus 81 là-dessus. Alors, là, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Les repous, je vais les laisser à 29. Je pense que là, c'est... Ou alors, j'essaie de faire un truc propre et je pars en over dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux espérer? Qu'est-ce que je peux espérer? Je ne sais pas. Bah, dans la mesure où de toute façon il manque les dommages, le G n'est pas très beau, donc ce sera un item bouche-trou, on va dire, mais ce sera pas un bel item pour PVP. Donc je vais laisser les repos à 29, je vais même laisser la vitalité et l'intel comme ça, tant pis. Tant pis, on va juste essayer d'aller chercher un bel over-recrit avec tout le puits qu'on a, puis voilà quoi. Alors là j'ai pris un moins 18 sur la sagesse, c'est un petit peu triste. Ensuite le tacle, et puis on va partir sur les récris, hein. Hop, moins 8. Ça me laisse 56. Je vais même pas avoir assez de récris, tiens. Je vais aller en acheter tout de suite, ça m'évitera de m'interrompre une fois qu'on sera parti. L'intel, je vais la laisser à 49, hein. Je pourrais passer à 52 et redescendre à 50, mais... J'ai envie de tenter un gros over-récris. D'autant qu'il y a une petite subtilité que j'avais pu étudier sur la molette du Strigide, hein, qui fonctionne un petit peu pareil avec des malus. Et on va pouvoir en parler dans la vidéo. Je me rappelle, ça avait été tout un débat avec certains abonnés. On avait fait des calculs, on avait essayé d'expérimenter pour bien comprendre comment ça marchait. C'était assez intéressant, j'ai appris des choses sur la FM à ce moment-là. Parce que la FM, voilà, il y a beaucoup de choses que tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça marche, mais sur certains cas un petit peu litigieux qui arrivent peu souvent, eh bien ça peut être un petit peu plus subtil. Ok, là je pense que j'ai assez de récris. Hop. Chiant ça. Hop là, zouf. 56 depuis. Bon, je pense pas m'être planté, j'ai quand même pris le temps pour compter là. Oh, décidément. C'est chiant cette calculette là. Alors, 56. Donc en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'interrompe si je vais passer en positif. Si j'arrive à moins 1, il faut que je stoppe et que je recompte différemment le puits. Hop, 56. Je pense que je vais quand même lancer un fusionner tout. Et il faut que je regarde bien si j'ai des succès crit. Alors, un succès crit. Où je regarde à la fois les succès crit et que je dépasse pas les zéros réécrits, mais bon, a priori là j'ai le temps. Pour l'instant, j'ai compté un seul succès crit. Oh non, on a quand même une belle tentative là, hein. Ça fait beaucoup de puits d'un coup sur un jet qui était quand même relativement correct. Hein. Bon, c'est pas aussi beau que ce que j'aurais espéré, mais ça fait toujours plaisir. Alors je pense que j'aurais même pas besoin de m'embêter avec le passage en positif, on va rester quand même en dessous des zéros réécrits. Allez, j'en ai une dernière pour le petit succès. Voilà, bon, je m'étais pas planté dans le puits, c'est déjà une bonne nouvelle. Et bon, on a un truc. C'est pas super utile, un item comme ça, je sais pas ce que j'en ferai. Bon, voilà, en tout cas, c'était. Si le PO était repassé en succès crit, ça aurait été sympa, mais là, c'est l'occasion de voir un petit peu de la forge magie originale. Voilà pour cet item. On s'attaque maintenant à des pathogastriques, alors je pense que ça va faire la majeure partie de la vidéo. J'aimerais bien m'en faire des perfs over repo. Exo-invo, voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que soit j'arrive à avoir un énorme over-repo, style arrivé à zéro repo à peu près, auquel cas je m'en contenterai, soit si j'ai moins que ça en over-repo, je tenterai une invo avec. Les repos, c'est quelque chose qui est très important dans la méta actuelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de classes voilà, qui jouent sur des deux poux. On a des Yop, on a des Steamers, on a des Zobal, on a des Upper Mage aussi qui balancent des sacrés deux poux. Et bah quand vous avez de la reste comme ça en malus sur un item, c'est assez intéressant de partir en over dessus, puisque le puits est divisé par deux. Et je suis surpris de ne voir aucune pathogastrique en over repo. Je pense que... Enfin, je sais pas comment réfléchissent tous ceux qui font de la FM, mais je suis surpris de jamais en voir, quoi, franchement. Ça, pour moi, c'est quelque chose directement, je vais faire over repo, quoi. Donc, bah c'est parti. C'est parti, alors là, le G est pas fou pour l'instant. On a un petit puits PM. Alors, je vais commencer par remonter la vie, direct, hop. Moins 10, alors il faut que je perde 34, donc avec un retrait PA, hop, voilà, j'arrive à moins 36, c'est nickel. Je gagne même bon, des poussières de puits, mais là, ça ne servira pas. Ensuite, les deux cris, les deux cris, les deux cris, les deux cris. Non, je vais commencer par la sagesse, hop. La sagesse est là. Je vais aller chercher systématiquement le 60-60, hein, hop. Donc, moins 3,
Ah, je suis con, j'aurais dû garder ça pour la fin pour après directement reprendre le puits sur les repos. Non, c'est pas trop mal en fait. C'est pas trop mal, je ferai ça pour la chance. À moins que je laisse la chance à 59. Ouais, je vais faire ça, je pense. Parce que c'est pour un perso qui est plutôt feu, donc bon, je mets quand même les autres pour avoir un truc propre, mais concrètement, ça ira. Alors, j'ai moins 8 là sur le tacle. On va quand même mettre les 2 à 12 hein, dans les deux éléments. Hop. 10, moins 10. Hop. Les petits 13 R qui crit, le Dokri qui passe, moins 5, ça nous laisse 49 de puits. C'est qu'on a déjà une tenta solide là pour un premier coup, hein. Franchement, 49 c'est pas mal. 49, j'ai rien oublié, hein. Ce serait con d'oublier un truc là, non, tout est bon. Allez, bah c'est parti. Alors pareil que tout à l'heure pour la nautique, il va falloir que je fasse attention à pas passer au-dessus des zéros et à bien compter mes succès critiques. Alors. Pour l'instant, j'ai pas de succès. Ok. J'arrive à moins 10. Pour l'instant. Ouh, ça passe pas très bien là. Y a un palier là ou comment ça se passe? Pourquoi je c'est bloqué? Ah, je suis un peu surpris de la manière dont ça s'est passé, mais d'accord. Bon, bah, on a un over de 16. C'est un tout petit peu moins qu'un 3%. En termes de puits, hein, c'est assez usuel hein, pour les forges de mage de raisonner en termes de puits pour comparer la difficulté à faire les over ou les exos, même si c'est pas forcément 100% pertinent, c'est quand même pas mal. Bon bah si le PM passe là-dessus, je serais quand même content. Ah, dommage. En fait, je vous ai interrompu le FM, mais je suis complètement con parce qu'on peut continuer. Là voilà, donc là le PA est tombé, les repos sont repassés à moins 20, mais on a récupéré 26 de puits et tout le reste est intact. Donc on peut tout simplement retenter 26 repos. Et voilà. Et j'aurais pu faire ça sans interrompre. Bon, c'est pas bien grave. Alors là j'imagine qu'on aura quelque chose de moins bon que tout à l'heure. Auquel cas ça partira sûrement en invoque. Alors je vais commencer par le PA. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le PM et le PA en moins et je vais essayer de FM sur du double succès crit pour terminer le FM. Alors ça peut être assez difficile, mais j'ai déjà eu plein de belles tentas à 4% sur des pathos gastriques comme ça. Et je pense que c'est une technique qui nous permettra d'avoir un très gros jet à la fin. Donc voilà, on va voir ça. Là, ça passe pas par contre. Alors, tentative suivante, là, le PA vient de tomber. On a 94 de puits. Le jet est dans l'ensemble plutôt correct. Alors, on va commencer par la chance, que je vais remonter à 60. Hop. Ensuite, la vitalité. Ok, ça passe tranquillement. La sagesse donc va rester comme ça. Là je vais pas trop me prendre la tête. Hop. Moins 14 là-dessus, ça fait mal. Petit crit sur les res R. Ça c'est chouette. Ensuite les dommages là. On a un crit. On a un succès neutre. Et deux succès neutres. Moins 10. Hop, plus que le tacle. Tacle, moins 4. Hop. Donc on a 53 tentats. Là, il y a moyen qu'on ait quelque chose d'assez sympa. Bien sûr, la difficulté, ça va être de terminer le FM avec le double succès crit, hein, ça c'est évident. Mais et vous voyez que c'est le PA que je cherche à prendre le puits PA et pas le puits PM parce que ça me fait plus de puits tout simplement. Là, l'idée c'est pas de faire un FM low cost, hein, c'est vraiment de mettre un objectif haut et d'aller chercher du gros G. Allez, c'est parti, 53. Alors, toujours compter les succès critiques à gauche, vérifier que ça dépasse pas. Putain, il me faudrait. J'ai un œil qui regarde là, un œil qui regarde là, c'est très bien. Ok, pour l'instant ça va à peu près. Ok, moins 9, toujours pas. Alors je suis surpris de voir aussi peu de succès critiques. Normalement, sur ce genre de truc, on en voit quand même pas mal. Enfin, je dis normalement, je me réfère surtout à l'amulette du Strigide et à la nautique que j'ai pu faire pas mal. Bon, donc là on a 15. Alors je vais tenter le PA, ça ne passe pas. Bon, comme ça c'est réglé. Waouh, le PA a mis un temps incroyable à tomber. Là, ça fait je sais pas combien de runes que je passe. Enfin, j'ai un puits PA. Alors on a 99 de puits, bah c'est parti, alors on va remonter la vitalité, ouais je vais faire ça, je vais garder la vitalité et je taperai à la fin l'over intel pour commencer l'over repo. Hop, moins 3, ensuite crit, oh c'est agréable ça, c'est très agréable, hop voilà on va rebaisser l'over comme ça, en plus ça passe, on récupère un de puits gratuit, qu'est-ce que je vais remonter ensuite? Oh le G est pas trop mal dans l'ensemble hein. Alors le tacle il est un tout petit peu à la ramasse, allez je vais le remonter directement, double crit à nouveau. Deux crits et décidément, on va avoir je sais pas combien de tentatives là sur les repos. Alors là j'ai moins 4 sur celui-là, hop, là moins 5,
Et bah, il n'y a plus qu'à remonter les petites caracs et on est parti. On va avoir du 60-60, ça c'est... Putain, mais on a un G presque perf. Enfin, il manque un de sagesse, c'est normal, c'est dommage, parce que sinon ça aurait été vraiment perf. Ça aurait été sympathique. 2, moins 6. Hop, 78, donc 79. Oh là là, avec ça, putain, il y a moyen d'aller choper. Il y a moyen d'aller choper du G astronomique. Voilà, donc j'ai un de plus, hein, parce que je vais récupérer sur le petit over intel. Bah, let's go. Let's go. Alors, 1, 2... Je compte les crits, hein. Il y a eu 2 crits là pour l'instant à gauche. 2 pour l'instant. Ouh là, on va passer en positif là sur les repos, je le sens. C'est très 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 bien parti. 5. Oh, ça bloque. Ça bloque. Ok, 3. 3 critiques. Je vais faire un stop pour... Mais... Putain! Le stop n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, je suis tellement deg. Ça a complètement bugué cette daube, comment ça se fait? Putain, j'avais un G de fou là. J'avais un G de fou qui s'est fait massacrer parce que j'ai appuyé sur stop. Bon bah maintenant je vais faire tout en fusionné à l'unité, c'est bon, je suis traumatisé. Il y a souvent eu un débat sur le fusionner tout ou pas. Alors je trouve pas qu'il y ait moins de chances que ça passe comme ça, mais là avec ce qui vient d'arriver, alors je suis très surpris, mon ordi a des bonnes perfs. J'ai un ping tout à fait bien, je sais pas pourquoi ça a paniqué, j'ai cliqué, hein, ça n'a pas marché. Bon, donc maintenant, à partir de ce jour, à partir de cet instant, je ferai toujours fusionner à l'unité, tant pis si je dois cliquer 40 000 fois. Oh, je suis déçu, je suis franchement très déçu. On va voir si on peut peut-être réussir à rechoper un G acceptable et avoir une tentative sur de l'invoque, mais... Oh, c'est massacré, putain, c'était tellement beau. Je suis saoulé, là, bon bah voilà, c'est... Ce sera plus que du fusionner à l'unité maintenant. Je suis déçu, mais je le laisse quand même dans la vidéo, parce que je pense que ça pourra intéresser d'autres personnes de voir ce bug. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Là, je comprends pas. Je comprends pas trop. À moins que, ouais, enfin... Non. C'était une connerie. Bon, tant pis. Bon, on enchaîne sur un autre puits PA, mais je vous avouerai que j'ai un peu des glandes pour ce qui s'est passé avant, là. J'avais une tentative tellement belle. On aurait eu du plus 1 ou plus 2, je crois. Et en plus, le PA est repassé après, mais... Enfin, du coup, j'ai pas ressenti le PM, hein, mais ça me saoule un peu, franchement, d'avoir une aussi belle tentative qui est gâchée, c'est un petit peu dur pour le moral, hein, mais bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein. Hop, bon, allez, on est parti pour celui-là, ça commence plutôt bien. S'il y a un peu de karma dans cet univers, là, ça va passer, je vais avoir un magnifique G avec une invoque qui va passer à la fin, voilà. On va dire ça. Alors, je vais garder l'intel pour la fin. Hop, les dommages feu, moins... On a 5, 10... Toujours 10, ok, les petits critiques. Oh, c'est sympa, moins 10. Ok, bon, peut-être on va avoir encore une très belle tenta ici, donc ça va me consoler. Bon, on a une moins belle vitalité, on avait 4 de vitalité en plus celle d'avant, mais bon, c'est pas grave, globalement ça va être très propre. Alors, 6, 9, 12. Bon, on a un truc quasiment équivalent en fait, hein, en termes de nombre de tentatives. Hop, ok. Donc 71, et cette fois-ci, hein, comme j'ai annoncé, on va y aller une par une, tant pis, ça va être un peu long et un peu chiant, mais là, ça vaut quand même le coup de prendre le temps de faire les choses bien, et de s'éviter tout risque d'avoir des soucis avec un putain de jeu qui marche pas. Bon, voilà, une fois que ça c'est dit, on est parti. Alors, hop, voilà, en fait, je peux y aller tranquille, il faut juste que je compte les succès crits que j'ai. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, un premier succès crit ici. Toujours en dessous du zéro repou, j'ai de la marge. Oh, ça passe plutôt bien. Là, encore une fois, on va peut-être avoir une très très belle tenta. Ah, ça se calme un peu là. Quand on passe au-dessus des moins 10, ça commence à se raréfier un petit peu. Décidément. Et. Alors je vais peut-être y aller avec des pas repous ensuite, alors il y a une petite subtilité qu'il va falloir que je vous explique, mais je pense que pour la suite je vais prendre des pas repous peut-être, ou alors c'est tout simplement normal, hein, peut-être que ça passe moins bien. Alors là je sais plus si c'est 2 ou 3 que j'ai eu, je vais recompter, c'est bien la peine que je me fâche à compter pendant tout le temps pour à la fin devoir recompter. Hein. Il n'y en avait pas un au début là de petits succès crits. Ah, il y en a un ici, là, hop, 1. 2. Ok, j'ai encore 2 tentas donc.
Bon, ça ne me fera pas gagner plus. Là, on a un 16 au niveau de l'over, donc ça équivaut à un petit peu moins de 3%. Donc si ça passe là-dessus, je tenterai une invoque. Le PA passe. Pence. Pas de PM. Alors, on a ici un puits PA qui est franchement pas mal. Là, il y a moyen d'avoir quelque chose de très propre. Il y a déjà les 60 intels, donc il n'y aura pas besoin d'over. Pareil pour la vitalité, regardez, là, on est à 283, donc on monte à 298. Puis, ah. Dommage. Ok, ça vient de me défoncer tout mon truc. Ah, 348, mais je pensais pas perdre autant de puits sur la vitalité. Bon, ça va que le reste est très propre. Vous voyez aussi l'intérêt de faire le FM avec le PM déjà tombé, c'est que non seulement les repos passent mieux, mais en plus, à chaque fois que vous avez un puits PA, il y a presque rien à remonter parce que du coup, l'item est beaucoup plus facile à maintenir avec un gros jet. Et bah, ça permet d'avoir au final quelque chose de vraiment magnifique. Alors, ok, on est à 50. 50-50. Alors là, je pense que je vais aller me racheter des milliers de runes repos après parce que là, au rythme où on les bouffe, ça dégage très vite. Bah, c'est parti. Hop, alors une. Là, je vais essayer de compter sans perdre le compte. Les succès crit que j'ai. Pour l'instant, on est à 1. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Allez, allez, on y croit. J'aimerais bien passer au moins à 0, quoi. Ce serait un peu le minimum que je me fixe. Peut-être un moins 2, moins 1, ça pourrait le faire, mais. On va voir. Ah, encore un crit. Donc là, je suis à 2 succès. 2, 3. 3 crits. Pas mal. Allez, peut-être qu'on peut gagner encore un comme ça. Voilà, nickel. Moins 4. Bon, bah, si on a ça et une invoque là-dessus, ce sera très bien. Hein. Dommage. Tentative suivante. Alors, bon, on a quelque chose qui est dans l'ensemble acceptable. Hein. Ça devrait aller à peu près. Il y a quand même pas mal de trucs à remonter. C'est parti. C'est parti, la vitalité. J'espère que je vais pas perdre autant de puits que tout à l'heure. Non, c'est bien. Moins 10. On va monter le retrait. Qui passe. Et res. Moins 6. Ah, je reçois plein de messages pour la petite vidéo de l'art corrompu PM. C'est sympa. C'est vrai que je m'en suis pas encore remis, j'avais presque oublié. Là, ça me le rappelle. C'est ah, ça me remet le petit smile. C'est très bien. Alors, on va passer la passa. Moins 9. Allez, c'est parti. La petite chance là. Ça passe plutôt bien dans l'ensemble quand même. Hein. 12, 15, 18, 21. Oh, on perd du puits là-dessus. On perd du puits, mais c'est pas grave. Le tacle, moins 4. Ok, ça passe plutôt bien. On va pas avoir un énorme G à la fin là. Je pense que ça va finir en tentant un invoke. Oh, je perds beaucoup là. 25. Ouais, c'est limite si je vais avoir de quoi faire des. Dans ta repo. Ok, moins 5 ici. 8, et bah décidément, ça varie beaucoup. Bon, je vais aller racheter des repos juste après ça. Alors là, du coup, je peux balancer un fusion et tout sans avoir de risque que ça foute le merdier. Et ça passe bien en plus. Bon, bah, moins 13. Franchement, si j'ai une invoque là-dessus, je suis content quand même. Hein. Mais, ah bah voilà, la question est réglée. Bon, alors là, c'est pas du tout un puits PA, mais juste en remontant le G, j'arrive à un truc avec un mini over Vita et qui est sacrément bien. Donc je vais voir si je peux quand même tenter quelque chose là-dessus. Alors je vois là j'ai récupéré 5 de puits ici. Alors ce que je vais faire, j'en ai peut-être même avant, j'ai pas regardé, j'ai quoi là? J'ai 3. J'ai 3 et je perds 2. Ok, donc j'ai 6 de puits. J'ai 6 de puits, j'ai un petit over, donc on va pouvoir. Merde, j'ai dit que j'allais racheter des repos, je l'ai pas fait. Je suis un peu con. Dans ce cas, je vais y aller tout de suite. Putain, j'aurais dû faire ça hors vidéo. C'est pas grave, alors on me link, on passe ma journée à me link des items. Mais à chaque fois c'est des jets dégueulasses. C'est un. Ah bon, bref, je vais rien dire, mais. Bon, alors, repo, hop. Repo, 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 on va en prendre combien? Beaucoup, hein, hop. On va voir, j'en ai combien? Pas repo, c'est pas ça. Repo, hop. Peux pas les mettre ici. Ok, d'accord. Bon, on va en prendre 1000. Hop. Ça pourra servir, je pense. Je pense même que je vais devoir aller en racheter, bon sauf si bien sûr le FM se termine assez vite, mais comme là je vais quand même vraiment chercher le gros G ou tenter systématiquement les exo-invoques, je pense qu'on est parti pour un petit moment. Je verrai si je vous fais, enfin si je fais la vidéo jusqu'à ce que ça passe, ou si je cut, si ça devient trop long.
Mais la dernière fois, j'ai fait, c'était quoi? C'était une cape de Jondin où la vidéo de FM a duré 2 heures, mais ça vous a bien plu apparemment. J'ai eu des retours très positifs dessus, donc ça m'a fait bien plaisir. Donc bon, c'est pas forcément problématique pour moi d'avoir des vidéos de FM qui durent longtemps, quoi. Hop, voilà, donc là, à partir de là, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon, c'est pas... On n'est pas sur le jet de l'année, hein, mais... Ok, bah comme ça règle la question. Bon, on a ici un petit PUPA plutôt pas mal. Bon, pas beaucoup de commentaires à faire, c'est parti. Hop, moins 9. Yes, ça passe plutôt bien. On perd pas trop de puits, c'est cool. On va y aller comme ceci. Ok, bon, il n'y a plus grand-chose à remonter, là, ça va aller vite, l'air de rien. Là j'ai moins 4, moins 9. Ensuite, il y aura le tacle. Moins 5. Moins 9 à nouveau. Hop. Je vais faire un petit over intel pour monter à 60. Moins 3. 55. Nickel. Et oh, un critique, tiens. C'est bienvenu ça. Pour une fois que ça arrive au bon moment, là, c'est vraiment un truc que j'ai gagné. Ok, donc j'ai 55 de puits et j'ai un truc plutôt correct. J'ai enfin le stock de repou, ça fait plaisir. Bah let's go. Let's go. Hop. Bon, j'espère que ça va quand même passer assez vite, mais bon, c'est pas désagréable la FM, hein, les pathogastriques, c'est vraiment. Moi j'en ai fait je sais pas combien, enfin franchement, c'est le genre d'item que j'ai tellement, tellement FM. Surtout à une époque, en fait quand j'ai commencé la FM, hein, je faisais beaucoup de choses comme ça parce que c'est très simple la FM avec les pupés APM. Pareil pour les abominables ou les pantoufles mares, les baleines à bottes, ce genre de choses. Ce sont des items qui se font très bien quoi. Et à une époque, je me faisais mais un fric monstrueux avec ça parce que bah, je revendais les jets ultra chers. À l'époque, le commerce allait mieux. Et j'en ai fait, je sais pas combien de dizaines, mais enfin bref. Il y a une période, j'en avais systématiquement en HDV 3% dans tous les éléments en GPerf en vente en non-stop. Enfin bon. Alors, là, concentrez-vous si vous êtes un petit peu dissipé de la vidéo, c'est maintenant qu'il faut être attentif. Parce que enfin, on va pouvoir parler de quelque chose d'intéressant, c'est le calcul du puits. Le calcul de ce que pèsent les runes. Alors vous savez que quand on a un malus, le poids est divisé par 2. Normalement, une répoue, ça pèse 2. En malus, ça pèse 1, c'est pour ça que ouais, 55 de puits, j'ai fait 55 tantas repou. Sauf que, en positif, ça pèse 2, et la question c'est à partir de quelle rune on passe dans le positif. Et en fait, c'est la rune qui va vous passer, la rune qui passe à 0 quand elle fait un succès, qui compte à double. Donc là, si j'en passe une, elle va compter 2. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Sur des amus strigides, il y a une période, j'étais en panique parce que moi je pensais que c'était... Ça comptait 2 à partir de 0 quand on passe à 1, mais non, c'est à partir de moins 1 quand on passe à 0. Donc là, j'en ai pas 9, j'en ai 4, parce que voilà, 9 divisé par 2, 4,5, partie entière, ça fait 4. Donc, on a 4 tantas. 2, 3 et 4. Bon, j'ai le 0 repou, si ça passe là-dessus, je suis super content, franchement. Allez, on va espérer. Un petit PA. Yes, allez, là, je suis à une rune d'avoir terminé le FM. Petit moment fort. Oh, quel dommage. Quel dommage, c'est pas grave, on continue et on se démoralise pas. Bon bah du coup, alors suite à l'attentat précédente, j'avais à nouveau le PA et le PM, donc là le PM vient de tomber, je suis bien content, ça va me permettre de repartir sur du double succès crit pour terminer, mais je vais quand même essayer d'exploiter le puits PM et peut-être que j'arriverai à avoir un beau truc et auquel cas on pourra quand même tenter peut-être une invoque ou un truc comme ça. Alors, moi 3 ici. Je vais peut-être garder la vitalité pour la fin, ouais. Hop, je monterai à 353 à la fin, et à partir de là, je pèserai avec des répous. Là, chance, on a un moins 12 ici. Bon, le jet est quand même relativement correct, là. Hop, ça passe. Ok, ça se passe assez bien, là. J'avais peur de ne pas avoir beaucoup de puits restants à la fin, mais non, c'est correct. Moins 5 ici. Bah, plus que le tacle, on est bon, mais décidément, ça aurait été rapide. Oh, encore du critique. Peut-être que c'est finalement là-dessus que le FM va passer. Ce serait chouette. Moins 20 sur la Vita. On vient rebaisser avec Dieu la Répoux. Et ça nous laisse 38. 38, c'est pas trop mal, hein. Hop, allez, c'est parti. Ok, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va pas se mentir. Pas de succès critique en vue. Mais bon, c'est pas incontournable, hein. On peut très bien s'en passer.
8, bon, j'arriverai peut-être à quoi? Moins 6. Moins 5. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, si le PM passe, je vais tenter une invoque. Ok, le PM passe. Alors, première tentative qu'on a de la vidéo sur une invoque. Et franchement, si on... j'ai déjà passé le PM tout à l'heure, si je passe une invoque là-dessus, ma journée est juste géniale. Allez. Dommage. Alors, on se retrouve à peu près dans la même configuration peu de temps plus tard. C'est très bien. Ah, moins 30 depuis là-dessus, ça pique. C'est pas grave, on va aller jusqu'au bout comme ça. On aura du 60-60 au niveau des caracs, ça c'est plutôt sympa. Moins 9 depuis ici. Ensuite, la sagesse qui ne passe pas. Ouh, ça fait mal ça, on a quoi? Moins 27 là. Hein. Aïe, je sais pas si ça va nous laisser beaucoup de puits à la fin. Moins 8. Ah, il y a les deux dommages hauts à remonter, je pense que je pourrais même pas aller jusqu'au bout du truc. Ouais, c'est pas grave. Bon bah du coup, je vais pas remettre le PM et je vais attendre que le PA tombe maintenant. Alors là les amis, on a une tentative qui est d'une propreté assez incroyable. Voilà, vous voyez, j'avais la vitalité à 300, je l'ai montée à 350, et bam, je fais tomber le PA là-dessus, et il y a presque rien à remonter, il y a juste l'intel en fait qu'on va retoucher. Et là, là j'ai eu quoi? J'ai eu 3 depuis, donc j'ai 3. Plus les 90 que je récupère sur la perte du PA. J'ai donc 93 depuis avec ce G quoi. Donc là il y a peut-être moyen d'aller chercher vraiment quelque chose de sympathique. Hop, moins 9. Et là, on va aller chercher. J'ai hâte de voir à combien de répous on va pouvoir monter, mais je pense que ça va être sympa. Hein. 84. J'ai 84 tentats répous là-dessus. Franchement, et avec ça, on n'a pas un énorme G. Enfin, si ça pouvait repasser sur celui-là, ça me ferait bien plaisir. Allez, c'est parti! Bon, je vais y aller à nouveau hein, en cliquant 84 fois sur ce putain de bouton. Alors, un succès crit, là, j'ai vu dans le chat. Là, faut pas se louper. Deux succès crit. Deux succès crit. Oh, ça monte bien, ça monte très bien. Toujours deux succès crit pour l'instant. Il nous reste encore presque 50 runes, quoi. C'est incroyable. Alors j'espère que ça va un peu mieux passer que ça. Là, je suis toujours à 2 en hein, succès crit. Hein. Hop. Ok, on se rapproche dangereusement du zéro là. Je fais attention. Toujours 2 succès crit. Ah, je pense qu'on va pouvoir aller dans le positif, hein, j'espère. Ok. 2 succès crit, donc là j'en ai 12. 12 et donc là comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, à partir de moins 1, ça recompte 2, donc ça m'en laisse 6. 6 comme ça, là je peux faire fusionner tout, normalement je risque rien. J'espère que c'est pas une connerie, mais non, ça devrait aller. Oh, il n'y en a pas qui passe, c'est dommage. C'est dommage, je pensais monter un peu plus haut que ça. Mais c'est quand même plutôt chouette. Hein. C'est quand même plutôt chouette. Allez, si ça passe là-dessus, je suis tout de même très content. Ça ne passe pas. Hop, petit puits PA. Alors on notera que j'ai vendu un cuir de gargrouille à 48 kamas, ce qui me paye tout de même deux déplacements en zappy. Ça fait vraiment plaisir sur le budget. Bon, le puits, comment on va faire ça? Alors je vais garder l'overvitalité pour la fin. On va commencer par. Oh, mais c'est vachement propre comme j'ai ça. Il n'y a que la chance et l'intel à remonter. Très bien, très bien. Hop. Moins 6. 9. 12. 15. 18. 21. 4, 27, 30, moins 30, ok, ça pique un peu, mais c'est fait. Maintenant, il faut caler une petite ravie là-dessus. 2, 3, moins 30 à nouveau. Bon, c'est pas grave, hein, ça reste quand même à peu près acceptable. Alors, je vais baisser ça comme ça, en faisant attention de regarder si j'ai pas des répous qui tapent dans le puits, parce que ça peut quand même le faire, même avec un over. Non, pour l'instant, c'est pas le cas, ok. Donc, il nous reste 35 de puits. Bon, ça peut nous permettre d'avoir un truc sympa quand même. Hein. Hop, déjà 35, c'est cool. Sur ce genre de G, c'est assez bien. Les 60-60, toujours, hein, qui est chouette. Allez, c'est parti. Ok. Bon, ça commençait pas très bien. Ça commençait pas très bien. Je guette toujours les succès critiques à gauche. On a moins 10 là. Moins 8. Bon, ce sera sympa. Ça va peut-être finir en petit tentin à veau, ça. On va voir ça. Pas de succès crit, hein. Pas de succès crit sur celle-ci. Hop, ok. Bon, bah, moins 4 époux, c'est correct, hein, quand même. Ok.
Hop, alors petit puits suivant, j'ai pris une décision à l'instant, c'est que j'allais arrêter de faire mon fragile et qu'en fait j'allais remettre la chance aussi à 60 à chaque fois. Parce qu'un item comme ça, bah, ça peut servir pour un perso feu tout autant qu'un perso eau, et peut-être qu'à l'avenir ça me servira sur un perso eau et je serai saoulé d'avoir 59 de chance au lieu de 60. Donc maintenant ce sera systématiquement du perf. Voilà, c'est une petite décision. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais appliquer généralement à toute ma manière de faire des FM. Hein. Je vais essayer vraiment d'aller chercher le perf tout le temps. Dès que je peux faire de l'over et retomber sur le G-perf, je le ferai. Donc par exemple, un 38 sagesse, on ne peut pas toucher, mais un 58 chance ou un tel, on peut très bien retoucher. Voilà. Alors, j'ai ici 97 depuis. Hop. Donc cette fois-ci, c'est la vitalité que je vais garder pour la fin. 5, 6. Oh, ça fait mal ça. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 33 depuis là-dessus, ça fait très mal. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai la satisfaction d'avoir du beau jet. Hop, là ça passe. On rebaisse à 60 également. Ok, on est bon. Bon, on s'en sort pas si mal que ça. J'espère que la vitalité va pas être trop capricieuse à la fin. Moins 8 sur le tacle. Les deux cris, on va remonter ça tranquillement. Ça crit. 5, 10, 15, 20, 25. Aïe. Ok, il nous reste 28 depuis. J'aimerais bien que ça passe assez vite, ça. Ah, c'est décevant. Tant pis. Tenta suivant, alors qu'il a mis un petit peu de temps à arriver, mais c'est pas grave. Ah, encore un message pour le corrompu. J'ai dû en recevoir peut-être 70 déjà. Bon, alors on a au niveau du G bah, quelque chose de pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Il y a de petits retraits PA qu'il va falloir remonter. Sinon, à part ça, ça devrait le faire. Hop, ça crit, c'est nickel. Alors, on va commencer par mettre la chance à 61. Hop. Qu'on va venir rebaisser à 60. Estimé à combien? J'ai déjà eu une offre à 200 millions pour le corrompu. ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. J'ai eu une offre à 200 M que j'ai décliné bien sûr parce que je ne le vendrai pas, voilà, je le répète. Alors, la sagesse. Moins 8. Hop. Il me manque quoi? Le retrait PA. Moins 7. 78. Alors maintenant, la vitalité. Et je gardais l'intel pour la fin. Moins 10. Voilà, parce que. Quand j'ai un petit over et que si ça me passe à 19 repos, c'est intéressant d'enchaîner directement sur l'over repos, bien sûr. Hein. Bah là, on a un G qui est très propre. Hein. Ça va être magnifique. Hein. Il manque juste 4 de vita. On a les 40 sagesse en plus sur cette tenta. Ça, c'est très appréciable. Hop! Et ça nous laisse 65 de puits. Alors là, à nouveau, une belle tentative en perspective. Hein. C'est parti. Je pense pas m'être planté. Non, jusque-là, tout va bien. J'ai rien oublié. Allez, go! C'est assez agréable à faire, je vous avouerai que ça détend pas mal de passer les petites runes, de guetter les succès, et puis d'en avoir tellement là, des runes qui sont dans le slot pour les runes de res, ça fait assez plaisir quand on est habitué à mettre des 6 ou 7 repères normalement pour les résistances en pourcentage. Ça, c'est un anti-stress assez conséquent. Alors on est déjà à moins 4, c'est pas mal là, hein. Peut-être qu'on va passer dans le positif. Allez. 2. Ah, faut que j'en enlève une là. Faut que j'en enlève une parce que la dernière que j'ai mise, elle a compté 2. Ok. Il me reste 11 depuis, donc divisé par 2, ça me laisse 5 tentas. Hop. Ça dit quoi? Ok, on reste à moins 1. On reste à moins 1, mais si je peux avoir ce G, ça me va très très bien, moi. Hein. Oh, dommage. 93 de puits sur un G vraiment propre. Il y a déjà le 60-60, c'est bien parce que souvent on perd un peu de puits à faire des overs ici. Donc là, il y a. Bon, allez, c'est parti, hein, mais ça peut peut-être bien se terminer. Hop. 10. Des raises. Ça crit. Ouais, je pense qu'on va encore avoir pas mal de tentatives sur les raises, hein. Moins 10 ici. Plus que le tacle, et c'est parti. C'est rapide. Hop. 73, oh la vache. Avec ça. Allez, c'est parti, on guette les crits. Ok, un critique déjà. Deux crits. Oh, les petites
petites séries de succès là qui font plaisir. Je suis toujours à 2 crits pour l'instant. Décidément. Et... Ah, 3 crits. Là, on arrive vers le moins 1. J'ai 3 crits pour l'instant. Ok. 3 crits, ça fait donc 18. Divisé par 2, 9. Donc j'ai 9 tentats encore là. Et là, je peux faire fusionner tout parce qu'il n'y a plus besoin d'interrompre le truc. Ah, j'ai mon 0 repouf. Ah, si ça passe là-dessus, je suis sacrément content. Allez, le PA. Non. Tentative suivante, alors bah let's go. Let's go tout simplement. On va y aller sur la chance directe. Hop, moins 6. Ensuite, les deux feux. Hop. Moins 15. Deux cris. Ça crit, le tacle. Le tacle qui passe. Et on est parti pour la vita. Ok, double crit pour l'instant. Décidément, moi, dommage, on perd 42 pions, on avait quelque chose de très bien, et là, on s'est un peu ruiné sur la Vita. Il n'y avait pas le choix, hein, de toute façon, il fallait over. Et on est parti avec 34 tentats, du coup. Ah, si j'enlève les pathos, ça va pas aller. Hop. 34, c'est parti, j'ai rien oublié. Let's go. Hop. Alors, j'ai un critique. Ouh, ça passe bien, là. Oh là là, si ça pouvait être toujours comme ça, ce serait chouette. J'ai pour l'instant un seul critique. Ne pas perdre le compte. Ok, je suis à 5. Eh bah décidément, je pensais pas qu'on allait arriver à un tel over. Alors que j'avais pas énormément de puits par rapport à d'autres tentats. Et avec le petit crit qu'on a eu, on est à moins 2. Bah moins 2 c'est quand même correct. Hein. Si ça passe là-dessus, je garderai le jet comme ça. Ça fait 18 d'over, c'est correct. Le PA passe, allez. On est à 1 PM d'avoir fini ce FM. On y croit. Oh. Alors là, on a fait le tomber le PA, le G est pas top, j'aurais préféré que ce soit le PM, enfin bref, ça commence pas très bien, mais on va quand même essayer d'aller au bout. Je vais peut-être garder l'intel pour la fin. Ah bah non, je suis con, là c'est la vitalité qu'il va falloir mettre pour la fin, donc on est parti là-dessus. Hop, là j'ai un moins 3. Moins 18. Hop. Ok, c'est pas trop mal. Allez, l'intel qu'on va remonter. Hop. Moins 2 ici. Nickel. Ensuite, le tacle. Voilà, qui me fait également moins 2. Je m'en sors bien avec le puits là, hein, ça m'a pas trop bouffé. 18 pour les res R. Les deux cris qui crit. C'est marrant, j'ai l'impression que les deux cris, ça crit plus souvent que les autres. Peut-être juste psychologique. Hop, moins 5. Oh ben voilà, on a remonté le jet de manière correcte. La vitalité qui passe. Hein, pour une fois, ça me défonce pas mon puits, c'est pas mal. Donc 39. Donc une fois que j'aurai fini de rebaisser de la vitalité, il me restera 39 tentats. Bonne nouvelle. Hop, voilà, j'arrive à 350 piles. Et donc là, maintenant, j'ai 39. Pas mal comme jet, hein, pas mal. Bon, il y a le 38, c'est ça, mais sinon, sur le reste, on est bien. Hein. Neuf, allez, 7, toujours pas de crit en vue pour l'instant. Ok, bon bah c'est quand même correct, hein, un petit moins 5 là. Oh, pas de PA, dommage. Encore une belle petite tentative qu'on a ici. Alors, je vais terminer par la Vita avec un Overvita. En attendant, là, il n'y a pas grand-chose à remonter. On a un petit crit sur les dommages feu, c'est pas mal. Les Kerak qui vont arriver à 60 piles. C'est parfait, ça. Hop, moins 9. Ben voilà. Voilà. Donc la petite pavie. Passe, moins 3. Moins 23. Hop. Et là, on a pas mal de tentats. Hein. 61. Hop. Et c'est parti pour 61. Une répoux. Allez, je guette les critiques à nouveau.
J'ai un peu que ça à faire de toute façon hein, dans le cas là. Je pourrais utiliser des parts époux, hein, même si, enfin, avant que j'arrive à moins 1, ça peut être intéressant. Je pourrais le faire, mais ça va être un peu chiant pour compter le puits et tout, et a priori, ça devrait pas tellement mieux passer. Je sais qu'il y a deux écoles là-dessus, là pour l'instant je le fais comme ça, mais peut-être que je ferai quelques tentatives en part époux pour voir un petit peu si ça change quelque chose. Ça peut être intéressant d'étudier ça. Moins 3, oh décidément là. J'ai toujours pas eu de crit. Ok. Donc là j'ai 3, je suis à moins 1, donc il m'en reste plus qu'une. Hop, ok, ça passe. Celles-ci, elles sont plus valables, j'ai plus assez de puits là. Ok, bon, là on a quand même un très beau jet. Allez, ça finira bien par passer un jour ce truc. Allez, là juste cette rune passe et c'est plié, on n'en parle plus. C'est quand même pas la mer à boire que je demande, hein, putain, merde. On enchaîne avec une tenta, bon c'est pas fou, 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 mais ça devrait aller, la vitalité va bien tomber. Hop, moins 6 ici. Ensuite, la ravie qui passe, moins 10. Je vais garder la chance pour la fin. 8. Il y a quoi? Il y a le tacle, ensuite les dommages. Bon, il y a un peu plus de choses à remonter que sur d'autres tentatives que j'ai pu avoir juste avant. 8. Mais ce qui est bien, c'est que même avec pas grand chose comme puits, enfin pas grand chose, disons 30, 40, il y a déjà moyen d'avoir des belles tentas. Et comme dans tous les cas, si jamais j'ai pas un gros over, je tente une invoque à la fin, j'ai toujours le petit espoir que ça finisse par quelque chose d'utile, quoi. Donc c'est assez agréable à FM au final. 43. 43. Hop! Allez-y. En espérant que cette fois-ci, j'ai le double succès. Pour l'instant, je l'ai eu sur quoi? Sur un 15 d'over, il me semble. J'en ai eu un. Bon, faut être patient, hein, mais moi, encore une fois, hein, je répète, quand j'ai FM, je cherche les très gros jets. Je suis pas du tout pressé. Je fais ça avec plaisir, et si ça m'énerve, je peux faire une pause. Enfin, y a aucun souci, hein, je compte pas du tout les kamas que je mets dedans, hein. Ça m'est déjà arrivé de mettre 150 millions dans un item, pas de soucis. Hop! Bon, moins 4. Allez, on enchaîne. J'ai un jet de merde un peu là, franchement, la vitalité qui est trop haute. Comment je vais régler ça? Je sais ce que je vais faire, je vais passer la vie. Hop! Putain. 50 de puits qui dégage là-dessus, c'est génial. Mais après, je vais les baisser comme ça. Ok. Oh, décidément, c'est un massacre sur cette tenta. Bon, bah, tant pis, on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Là, ça ne sert à rien. Bon, je me garde la chance pour la fin, comme d'hab. Le tacle. Ok, ça se passe un peu mieux ici. Dockery. Ok, ça crit encore un peu, c'est cool. Et bon, ça va, je m'en sors à peu près. Moins 12 pour la chance. Ça me laisse 15. Bon, bah, ça va se finir en invoque si on a de la chance. 15, 15, 15. Hop. Allez, les petits critiques. Pas trop ça. Hein. C'est pas trop ça du tout. Bon, bah, avec ce G, on va pas aller très loin. À tous les coups, ça va repasser là-dessus. Hein, ça, je connais bien. Ah non, même pas. Ok, là le PM vient de tomber, mais au niveau du G, c'est pas très propre. Bon, en revanche, c'est cool que le PM tombe, parce que comme ça, je pourrais repartir après sur mes tentes PA en double puits, on va dire. Hop, le petit 15 ici. Oh, bon, si j'ai de la chance, si j'ai des crits et que ça me bouffe pas trop de puits, on va tomber sur du G propre. Ok, là c'est pas mal, hein. Moins 20 ici, mais ok. Bon, l'item est bien délesté, là, ça passe très bien les runes. Hein. Moins 10. Moins 10 à nouveau. Vous voyez les dommages hauts qui sont bien bas, le reste après ça va aller. Là j'ai quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 35 pour les dommages. Ah ça va. Ça va pas m'amener très loin malheureusement tout ça. Moins 8. 3 de puits. Bon, est-ce que ça vaut la peine de tenter? Bon, j'ai envie de dire oui, hein. 2, 3 avec le petit succès. Ouais, je peux tenter une invoque là-dessus, hein. Ok.
On fait une petite pause avec les pathos gastriques parce que j'ai un abonné qui m'a demandé de lui briser un PA sur un 7 ans de malheur. Donc ça va nous changer un petit peu les idées, c'est très bien. Le G est pas trop mal à la base et on va essayer de mettre des pourcents res R dessus. Et si on passe à un 2% mini, je vais lui prendre. Voilà ce qui se passe. Allez, c'est parti en espérant que ça aille à peu près. Alors, 2. Moins 2, on retombe à 0. On va tenter les grosses runes en priorité. Ok, ça passe pas trop bien. Là, j'ai quoi? J'ai plus 2. Ok, on perd de la res mêlée. Alors, on a plus 15. Moins 7. Je vais tenter la pas retrait. Enfin, c'est osé de faire ça, mais les grosses runes ont théoriquement plus de chances de péter le PA. Enfin, d'expérience, hein, c'est un petit peu ce qui se passe. Allez, je vais faire ça. Yes! Bon, dommage que ce soit pas passé parce que du coup ça bouffe du puits. En tout cas, le PA est tombé et c'est dommage que ce soit pas passé. Si j'avais eu un succès neutre, ça aurait été très bien, mais c'est quand même correct, hein. Alors, du coup, j'ai moins 21 plus 100. Alors là, ah, il va falloir la passer, hein. Elle est dure, elle est grosse, mais je parle pas d'autre chose que des runes, bien sûr. Ok, ça va. Moins 21. Le tacle 4. Il a 4 runes, bon je pense que ça va pas passer en plus 4 runes, ce serait dommage. Ah la vache, ça pique encore. Moins 30. J'ai peur de ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Il faudrait vraiment qu'on ait de la chance là. Moins 15, bon en tout cas ça passe. On aura peut-être 1% R, on va voir. Ok, ça passe bien là-dessus. Moins 12, il nous reste 11, soit une tenta. Et ça passe pas. Plus de puits, avec 5, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre 2 récris par exemple. Il en a des récris. Réfeu, non, bah je dois. Si. Non, réperfeu. Moi bah, je dois en avoir des récris, moi. Je dois en avoir. Hop, je vais lui mettre les miennes. Oh, ça passe même pas ça. Tant pis. Est-ce qu'il veut tenter un PA? Ça passe, j'achète. J'annonce tout de suite. Aujourd'hui, j'ai déjà tenté, enfin, j'ai déjà passé le petit PM en une rune sur l'art corrompu. Il n'y a pas de raison que ça passe pas sur un bouclier. Non, il veut pas. Bon, en tout cas, il a un G-perf. C'est dommage, hein, on aurait pu espérer mieux. En tout cas, c'est toujours mieux qu'un PA sur du 8% sur 10 quoi, de rester. Parce que là, c'est un peu. Je sais même pas pourquoi des gens tentent des PA là-dessus, quoi. Bon. Tant pis. Bon jeu. Hop. Petite tentative à 97 depuis. C'est correct dans l'ensemble, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être finir par la vitalité. À moins que je fasse autrement. J'hésite un peu. Bon, déjà, il y a l'Intel qui va remonter à 60 piles, ça c'est très bien. Ok, je vais déjà remettre la Vita. Je vais la remonter comme ça. Hop. J'ai moins 3. Hop, parfait. Parfait, et on terminera par la chance. Moins 10. Ok, parfait, on arrive à 350. Ça m'aurait embêté qu'il y ait un moins 5 là, mais des fois il y a le moins 6, alors parfois ça fait chier. Mais parfois ça arrange, et là c'est nickel. Hop. 3, moins 9. En bas, il n'y a pas grand-chose à remonter, hein, il y a juste les deux cris. Enfin, ça ne crie pas cette fois-ci. Je viens d'aller faire le stock de runes à nouveau là, mais je crois que les répous là, j'avais pris 1000, on est déjà à 400. Peut-être que j'aurai même pas de. Enfin, peut-être qu'il va falloir que j'aille en reprendre 1000 quoi. Moins 3 ici. 67. Moins 3. 64. C'est parti. 64 runes. Allez. Ok, ça commence plutôt bien. Bon, c'est normal, hein, les premières passent toujours mieux de toute façon. J'ai bien envie d'essayer avec des pas répous, tiens. Comme je ne l'ai pas encore fait depuis le début de la vidéo. Donc là, il me reste 53. Je calcule pour arriver à moins 1, hein, parce que, en gros, si vous allez de moins 1 à 0, ça pèse 2, mais si vous allez de moins 3 à 0 avec de la part époux, elle pèsera 6 aussi, donc il faut vraiment viser le moins 1, sinon vous perdez énormément de puits. Et vous perdez donc des tentatives. Alors, on va essayer, hein, je vais essayer de pas m'embrouiller. Alors, 53. Et là, chacune pèse 3. Théoriquement, je peux donc en passer 10, 7, je pense. Je sais pas, 3, je vérifie. Ouais, 17.
17, 17, donc on va faire ça comme ça. On va voir si ça m'amène à moins 1. Et ça passe, j'ai pas eu de crit avant, non. Eh, ça a l'air de mieux passer, hein. Je sais pas si c'est... Oh non, c'est discutable, hein. Pareil, dès qu'on arrive en dessous des moins 4, moins... Oh, ça fait plaisir. Ok, donc là j'avais encore 3. Alors, j'ai utilisé en gros 14. Ça compte comme si j'avais utilisé 14 runes qui pèsent 3. Ce qui nous fait donc x3, 42, moins 42. Et j'ai donc 11 tentas, enfin 11 runes restantes, ce qui, divisé par 2, me laisse 5. Eh, décidément, putain, faut compter pour faire de la FM1. Allez, j'en ai 5, normalement, si je me suis pas loupé, là, ça me fout pas de ligne rouge. Ok, bon, ça passe pas, mais en tout cas, ça ne me foire pas mon truc. Ok, c'est nickel. C'est nickel. Et bah, je suis sûr que là, je vais avoir un PR, un PM, et ce sera plié. Hop. Allez, franchement, je le mérite, là, je vous avouerai que si le PM passait, ce serait pas mauvais pour mon petit moral. Oh, yes! Yes, yes, yes! Ah, juste après que j'ai refait le stock de runes. Et c'est sacrément propre, hein, regardez les belles petites lignes. Là, on a 350, on a 60, on a 60. Bon, il y a le 39 sagesse, hein, mais ça, j'y peux rien, bien sûr. Et là, on a un over de 19. Et bah, c'est marrant, tu vois, c'est le celui où j'ai tenté avec tes pares époux qui est passé. Bon, a priori, ça n'a aucune incidence, hein, mais on a pu voir en fait que bah finalement, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose de prendre des répous ou des pares époux, si ce n'est que le calcul est plus compliqué, donc c'est plus casse-gueule au niveau du comptage depuis. Mais bah là, je suis content, peut-être que vous avez pu un petit peu apprendre quelque chose, hein, tous ceux qui me posent des questions, là, voilà, avec ce genre de petite intervention, vous pouvez peut-être comprendre comment ça se passe. Donc là, on a un over de 19, hein, ce qui correspond à un tout petit peu plus que 3%, 3% de res, donc je suis bien content. Et donc, pas d'invoque, hein, l'invoque, c'était jusqu'à 17 d'over que je tentais l'invoque, et à partir de 18, j'acceptais le G. Bon, et ben, je suis soulagé parce que là, j'ai passé un petit moment dessus quand même. Et j'avais bien envie de vous sortir la vidéo aujourd'hui, et là j'étais pas loin de m'arrêter et de la reprendre plus tard. Donc c'est nickel. Ça me fait encore un bel item que j'ai réalisé aujourd'hui, je suis bien content. Bon bah du coup on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, à bientôt.